Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes à Exebus et nous voilà partis pour la suite de nos aventures sur Gobs and Gob. Gobs and God, dans ce sens-là, c'est mieux. Ça va être l'épisode un petit peu spécial où il va y avoir une action dans cet épisode qui va déclencher le giveaway. Normalement, ça aurait été déclaré sur le, comment s'appelle, sur le stream, quoi, sur le Discord des jeux du cygne. Donc, je vous invite à aller le voir si vous le souhaitez. Une fois que ça sera apparu, ce challenge en quelque sorte, je supprimerai la vidéo pour qu'on puisse pas trouver la réponse et que les gens doivent essayer de se souvenir s'ils le peuvent. Mais bon, il y aura une action un petit peu spéciale. Donc là, on va lancer le jeu et je vais faire normalement. Hein, on est en live comme d'habitude. C'est Exebus pour les jeux du cygne. On va jouer à Gobs and God. Et là, en fait, le but du jeu de cette session, on va essayer de changer de zone si possible. Hein ? Voilà, voilà, voilà. Hop ! On se continue ça tranquillement. Hop, avant de lancer, je vais... Oula, le son est un poil fort peut-être. Je vais juste... Ah, on est en pause, c'est bon. Il me reste deux choses à vérifier. Ça et ça. Tac, là on est bon. Là on est bon. Essayer de faire bien les choses. Ok, et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme mission? On va se refaire un petit peu le point, le Mighty Challenge. On doit insulter Gobubi, Gobubin, chose qu'on avait déjà fait, donc on va lui péter la tronche, hein, tout simplement. On doit aller tuer un Bulorque qu'on a déjà fait aussi. Et nous, on doit explorer un autre kingdom. On va se faire nos petites missions. Il y en a une ici. Et la plus proche, c'est celle-là. On va aller par là, on va voir ce qui se passe. Petite fontaine de soins ici, ça c'est bien. Il est pessimiste celui-là ou pas? Non, il n'est pas pessimiste. What is that? Ok, on va essayer de s'appliquer pour réussir à faire ça. Je pense que le combat va être un poil compliqué. Je sais pas du tout ce que vaut ces ennemis. Être capable de les prendre sur de la hauteur, ça me plairait bien. About me. Master. Ça, ça me paraît bien. On a une ligne qui est à peu près définie. S'ils arrivent à descendre, on va pouvoir les farcir. Sans se déplacer. On a eu un peu de chou là-dessus. On prend. Voilà. Lui là en bas. On va essayer de tuer celui-là en premier. Oh, ouais, quand ça touche, ça fait mal. On va aider le copinou. Voilà, ça tue. J'ai même pas regardé leurs caractéristiques à cela. Ok, piercing, ça marche pas. Par contre, blunt, ça marche bien. Déjà mort, donc pas de morale. On est bon. Vous avez pris le cop, comment vas-tu? Allez, ça tue. Et ça tue. Bon, on s'en est quand même bien sorti. C'est quoi ça? De la fourrure rouge. Très bien. Yes, on a du passage de niveau. Ça me plaît bien. Hop. Ça, c'est quoi? Des mushrooms. Ok, je tue ça pour le breakfast. Gobubi. On pourrait tenter de faire des trappes avec, mais ça m'embête d'utiliser mes bougies. Les bougies, ça va lancer des sorts aussi. Je vais prendre un truc gratuit, je vais pas me poser trop de questions. On n'a pas de dodge. Voilà. Ça, c'est très bien. Augmente la survivabilité. Gobibar.
Ça me plairait beaucoup, hein. On va se le faire. Ok, on gagne quelques points, on est à 38. On est à 35. On n'a pas de chaussures. Non, on n'a pas de chaussures là, a priori. 19, 25. Ça nous fait un plus 6. Je pense que c'est jouable. Oui, c'est jouable. On a une meilleure armure comme ça. On a déjà les chaussures. Même si on est un petit peu lent, c'est pas trop gênant. Au moins, on a de la protection, Gobiba. On va être bien protégé. Allez, on retourne là. C'est quoi ça? Ok. A priori, on est capable de se les farcir. Non, ça, ça m'attaque pas. Alors? Ouais, je sais. Oui, mince, je voulais pas cliquer dessus. Salut le panda dragon, comment vas-tu? On est équipé avec du stuff gratuit, pas étonné du taux de perte. Yes! Bye bye! Bye bye! Allez. Allez, on va aller l'insulter, celui-là on va le tuer. Eh, on a eu un petit passage de niveau sur notre hérald, le cygne. Shield expert, c'est pas mal ça pour du... Eh, il peut monter de niveau. Ah, c'est à partir du level 7 qu'on monte de niveau. On va continuer sur le shield. Ça, c'est bien. Faut qu'on trouve les endroits où on peut dépenser des sous pour avoir des apprentissages là-dessus. Oh. Ouais, je suis pas sûr du tout, là. Je suis pas sûr du tout. Show trainer... Alors attends. On connaît pas. D'accord, donc Axe, on connaît. Ça, on connaît. Eh, le trade, on va aller du côté du trade. On nous a dit d'aller voir à la ville, aller voir le roi. On va voir ce que nous demande le roi pour passer la frontière. À mon avis, ça passe. Je pense pas. Un arbre qui est un peu orni, qui est devenu un peu obsédé par moi. Je peux plus faire mon travail normalement. Avec cette flore monomaniaque qui essaie toujours de me faire des câlins. 901. Je peux couper un arbre. Ok. On va sortir de là, on va essayer de parler à lui. Pour quitter le royaume. Je vais avoir besoin d'un passe pour passer les gardes. Pourquoi ne pas juste les tuer? Ils ont plein de sujets sans cerveau qui seraient honorés de les remplacer. Une petite faveur. Vas-y, qu'est-ce qui te ferait comme faveur? Qu'est-ce qui te plairait? Ok. Je suis désolé, le signe. J'en ai en plus de la. Pour lui nettoyer ses doigts de pied, on a de la slug. On a de la bave de slug. Ok. Trois nouvelles. Oh. On a un laissé passer pour changer de. Pour changer. Alors, on va faire les passages de niveau. Que lui touche un peu plus souvent et qui est en backlane, moi ça m'intéresse quand même bien. Parce que c'est lui qui assure ça. Le signe, par contre, il faut peut-être que je nous repose un petit peu. Tac.
L'endurance, ça m'intéresse pas. Le fait de toucher plus facilement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, a priori, le signe là, qui est plutôt en mode tanky. Alors Azurheim, alors là, il va falloir qu'on le, hein, on se le peaufine, Azurheim. 57 de défense en mêlée. On pourrait passer à plus 9, ce qui est quand même honnête. Voilà, on lui rajoute quelques points de vie. On va lui rajouter quelques points de vie. Le sculpteur, oh, il touche tellement bien. Mais les défenses, on n'a plus de bois. Il va falloir qu'on récolte du bois si on peut à un moment. Lui, il est monomaniaque. Donc, il devient expert encore plus. Là, ça c'est bien. On va aller à la taverne. Et salut Azurheim! Je vais boire un. Je vais bien un peu étouffé par le temps, sinon tu as un niveau pour le gobo du bar. Yes! Excusez-moi, j'ai pas lu, j'étais concentré par ce que je faisais. Salut Brudinator, bah écoute, ça va plutôt bien. Hop. On va regagner tout. Que ce soit la bouffe et que ce soit le reste. Par contre, le truc, il pourrait être. Ah non, ici, je crois qu'on a tout appris. On a tout appris. On va voir pour acheter des objets. Est-ce qu'on a des objets qui seraient intéressants à acheter? A priori, non. Oh! L'Iron Great Axe aurait pu être cool. Ça, on va enlever. Le truc en bois, on n'a pas vraiment besoin. Avoir. Ça me plaît pas. On ne l'équipe pas de toute façon. Oh! On va le vendre pour 120, ça, c'est pas mal. On a beaucoup de. Beaucoup de sous, hein. On a beaucoup de sous. L'arbre, hein, il est vilain à quel point? Il a l'air vilain et énorme, et je soupçonne de pouvoir frapper plusieurs personnes à la fois. J'aurais pas une ville dans le coin. Faudrait que j'apprenne en fait, il faut que j'apprenne toutes les compétences que je puisse apprendre. On va aller voir tous les NPC qu'on puisse. Qu'est-ce que tu peux me teach? Ok, on l'a déjà appris, cool, on sort. On va explorer un peu par là. Il y a peut-être autre chose à. Non. Il y a une autre bordière. Bordière. Frontière. Je vais y arriver. Quoique, on se le tente. Tu as nettoyé toute la première zone? Non, pas vraiment nettoyé toute la première zone. Ils sont trois en plus. On se tente. On est des fous. C'est la nuit. Ils sont là. Est-ce que j'aurais moyen d'aller par en haut. Mimi. J'ai eu l'occasion de faire une découverte sur ce jeu, il est plutôt sympa. Ouais, l'humour est plutôt bon et en fait on se rend compte que le système d'évolution des personnages, les items à faire, les ennemis à affronter sont quand même conséquents. J'ai même pas regardé. Il frappe à une case de distance, ça c'est un peu chiant, il faudra qu'on se recoule vraiment pour qu'on ait accès à eux. 60, 60, 60, 105 points de vie. Natural Armor, ça c'est bien. Donc une bonne défense, il touche plutôt bien globalement. Ça sent le sapin! Oh, oh, pris le cop, la grosse blagounette. Allez. On va se reculer au max. Et là, on va les attendre par ici. Et on va essayer de les choper là sur la hauteur. Lui, là en bas. Ça me va très très bien là, tel qu'on est placé. Avant de frapper, on va te mettre toi là. Te mettre toi ici. Pour avoir un maximum de chances de toucher. Loupé. Après, on a beaucoup d'armes contondantes. Donc ça, sur les armures, c'est plutôt efficace. Alors là, on va avoir juste un petit problème. Oh non! Non, non, notre sculpteur, Goubouba,
combattre. Il est mort. Je pense qu'on va peut-être se faire wiper sur ce coup-là. Ouais, c'est fin de run, là, je pense aussi. Parce que même en touchant la vache, ouais, il y a 300 points de vie en tout. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont des attaques qui sont quand même un peu multiples. Si on perd... Ah oui, il nous repousse carrément. On se protège. On se soigne. Azura, il faut que tu tiennes. Ok. Alors lui, il a quasiment plus d'armure. Il a empoisonné. Oh putain, il a 5 points de vie. Il perd 5 points de vie. Donc quand ça lui fait mal, il a plus d'armure. Oh, le signe est mort. Une frappe, c'est 7. On se soigne deux fois. J'ai une chance de le tuer là. Oh, je l'ai loupé. Je suis mort. Je pense pas qu'on survive à toutes les attaques qu'il y a là en bas. Oh non! Je crois que c'est la zone qui l'a nettoyée, Azur. Même mes coups ne font que des massages. Après, non, tu fais pas. T'es en 1 contre 1 depuis tout à l'heure. Ton niveau de défense est suffisamment élevé. Alors après, d'un point de vue d'armure. Ok, bon, il te reste encore tes chaussures. Tu fais mal pour de vrai quand même. Parce que là, mine de rien, tu as quand même cassé pas mal l'armure. On va peut-être réussir à le DPS. En gros, ce qu'on va faire, c'est que les deux là vont essayer de retenir celui-là le plus longtemps possible. Ah non, non, là, ça, on n'a plus d'armure. Oh. Il y a moyen de s'enfuir. C'est pas, on va recommencer à zéro. On peut que s'enfuir. On est mort. Defeat. On a absorbé 24 000 points d'essence. Lose all your gob. Ils étaient stupides, sales et verts. Mais ils avaient confiance en vous. Vous étiez leur leader. Non, vous étiez leur dieu. Peut-être toujours, peut-être vous l'êtes toujours. Leur essence a été absorbée dans votre divine nature. Ce qui veut dire qu'ils sont morts. Mais on s'en fout. On s'en fout. Donc on continue sur la voie sadique. Ils ont fait leur boulot, ils sont morts stupidement. Et c'était une partie. Et c'était la. Et c'était la partie qu'ils ont réussi le mieux. Let's wait. Oh, et c'est reparti. On a un bégard. Hein. Jumbo et monomaniaque. Ok. Il touche à 22. J'arrive au bon moment exactement, Pascal. Ce wipe qu'on vient de se prendre. Encore un titre mensonger. Ah oui. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un vrai tank. Ça c'est bien. Mais les défenses, ça me paraît cool. Max health. Max health. 93 de défense. Franchement, c'est solide. On va se mettre ça. Et on va y recruter. Par contre, on a Mastune et on a ça en plus.
augmenter notre hôtel à notre gloire. Ouais. Allez, on a toujours 23 000, hein. Il nous faut 50 000. Ça a augmenté la fréquence que les gobelins ils nous rejoignent. On a quand même subi un petit revers, hein, soyons honnêtes. Ok, c'est quand même compté comme validé. On se gagne 8. Ça, c'est pas mal. On va aller se recruter quelques gobelins. Un juge, je n'en ai jamais eu. Il est athlétique, donc on a le swap position. Je sais pas si ça a été fixé. Oh, il contre-attaque. Il touche à 22 naturellement. Ça, c'est un continent, c'est-à-dire quoi, ça? Heavy boots or armor, we may get in the way. Donc on n'a pas le rose armure lourde dessus. Straggler. Ok, ça on s'en fout. Donc on va le prendre. Un petit tanner qui est le midget, je trouve ça un peu moyen. Quoique ça fonctionnerait. Hein. Pessimiste, on s'en fout un peu. Il touche à 32, 32, 34. En fait, le tanner est quand même solide. Hein. Un lumberjack. Il touche à 51. Parce qu'il a le... Ok, c'est parce qu'il a la hache. On va le prendre, ça c'est cool. Un dagueux. Un dagueux. Il est greedy, il est midget. Il m'en manque deux, hein. Allez. On va faire nos petits passages de niveau. Là, ils sont solides. On va commencer avec le bégard. Qui est là pour tanker. Et on va plutôt... tanker avec les points de vie. Et encore un autre niveau. Ouais, il a pas mal de points de vie, ça me plaît bien. Ça va être notre tonk. Le juge pour Prilcop, très bien. Ça va être Basca, là. Qui arrive toujours au bon moment. Allez, le juge. Ça va être Prilcop. Est-ce que certaines personnes veulent quelqu'un? Ça va être rigolo. Pas dit que vous ayez une grande survivabilité, mais bon. Est-ce que ça augmente quelque chose? Le trollish et le club. Ok. Allez, c'est parti. Mais les défenses. Bah, tu frappes pas super bien. Le trollish me paraît cool. Est-ce qu'on peut monter niveau expert avec l'équipement? C'est ça la question. Je te mettrais bien à distance. Ouais, à distance, ça servira à rien. Je suis là pour en prendre plein la tronche. Vous me remercierez après quand je serai mort. Je veux le lumber. Azurheim qui me mette des patates en toute sécurité. Remarque, si je te mets. Tu vas augmenter tes chances de toucher si je te mets une arme qui. Si je choisis une arme et que je te l'équipe. Hello, Miss Hell. Light armor, ok, light armor, ça me va bien. Oui, de toute façon, t'es obligé d'avoir une armure qui est plus... Ouais, light. Je vais te mettre une light armor. 18 au lieu de 15, ça c'est bien. Ça, on va te le laisser, ça augmente ton trollish. Et je vais te mettre des shoes que j'aimerais bien qu'ils soient en light. Ça va être cool. Et ouais, j'ai pas envie de te laisser devant parce que je pense que tu vas te faire laver. Remarque, franchement, avec 20, 21, tu tires même. On peut se permettre de te faire tirer. My name is Judge Dredd. Le juge sadique, exactement. Moi, j'ai des cheveux, bande de narves. Pas comme l'IRL. Alors, attends, on va faire le lumber qui va être Azurheim. On va avoir Broody et le panda dragon à rajouter. Le tanner, ça va être Broody. Et le panda dragon, on va partir sur l'assassin.
Et il nous reste une place, a priori, à Yamicelle qui a dit bonjour. Allez, tu vas être notre tavernière, Michel. Notre tavernier, je ne sais pas. Alors, Broodinator. Oh, t'infliges du saignement, c'est bon ça. Voilà, c'est, on va essayer d'en faire un. Oh, oui, sadisme. Sadisme, ça me paraît vraiment bien. Armure légère, sadisme. Avec le fouet, ça permet d'être en backlane plutôt. Damage multiplier, on va le prendre. Chauve, c'est mieux. À boire ou je tue le chien! Mais qui est le chien? Est-ce que je te mets un shield? On va se faire le trade. Après, je connais, vu que j'ai pas encore toutes les compétences, ça c'est bien. Armure légère. Ah, c'est pas du léger le tanner. Ça c'est du léger. Augmente le light armor en plus. Ah oui, mais attends, ça aussi ça augmente le light armor. On va peut-être se garder ça. On a 15 en light armor. En light armor, j'ai. Qu'est-ce que j'ai en light armor? J'ai plus de light armor? Si, j'ai ça. Et des choses. Et j'ai ça en là. Oui, mais oui. Quoique là, on est pas mal en armure, je trouve. Alors, Lumberjack. On n'a pas une. Ah, on a que ça en hache. Il faudrait qu'on trouve une hache un peu plus forte que ça, Azurheim. Concrètement, là, ton but, toi, c'est de one shot. Dodge pourrait être intéressant. On va se prendre le athlétique. Tu touches bien. On va essayer de faire en sorte que tu survives un petit peu quand même. Oh, light armor, ça me gêne un peu. Light armor, ça me gêne un peu, mais bon, on va essayer de s'en acheter une. Le panda dragon. C'est un assassin. Critical strike, ça me paraît. Après, le dodge aussi, hein. Direct, on monte. Mais les scores et Critical Strike me paraît cool. Ça augmente le dodge en plus à 2,5. Donc on est à 15 en dodge. Et Miss L. Un peu de santé. Club, ça serait bien qu'on en ait un quand même qui frappe en arme contondante, j'ai envie de dire. On va se prendre l'augmentation des chances de toucher. Le trollish pourrait être cool. Je vais pas prendre On a déjà un trollish. L'athlétique. Oh, le gun. On va se prendre le gun et en fait on va. Bah désolé. De toute façon, tu vois. Façon, on a une arme à distance au moins. On est à 37 à distance, c'est pas ouf ouf, mais c'est toujours ça. Augmente le club par 5. On passe à 15. Ah mais j'ai pris le club en plus. Oh, je suis débile. Pas moyen de faire marche arrière? Exhib, ouais, ça risque de laisser tomber. Alors attends. Réfléchissons peu, réfléchissons bien. Non, il n'y a pas des armures de fou, va falloir que je les récupère au combat. Hein. Allez, on va essayer de faire notre premier miracle. On va tuer Gobolux, la bande de Gobolux. Ils sont mauvais quand même, hein. Pessimiste, pessimiste. Le club dans le tromblon est où? Tu peux le recycler sinon. Oh, ça se recycle quand même relativement vite. Hein.
Il y a de la distance. On va faire d'autres choses. On va aller dans d'autres villes. Suivre les routes. Est-ce qu'il nous a appris? Non. Oui. J'ai même pas regardé ce que c'était. Ok, encore un arbre. Celui-là, on va pas l'apprendre. Bye. Tu nous vends quoi? Oh. Bah oui, en fait. Tous les jours. Et là, on va rigoler parce que Azurheim, il va prendre ça. Là, il a un 9,22 de dégâts. Il passe en 17,36. Ça fait plaisir quand même, je veux dire. Ça fait plaisir. Si on lui trouve de la light armor, on lui changera tout ça. Est-ce qu'ils vendent de la light armor, lui? Non, ils vendent des shields à l'arrière. Ouais, c'est très bien. On s'est récupéré un peu de bois pour les passages de niveau. On n'a pas exploré par ici. Un peu de bois là. Ça, j'ai pas encore exploré ce genre de choses. J'ai pas tout exploré, hein. Là, on peut passer vu qu'on a le... On a le laisser-passer. Ok, là on est bon. Et si on va voir dans les skills en eux-mêmes. Alors, dagger. Ok, dagger spécial attaque. Donc, attaque spéciale avec les... De toute façon, je pense que les armes, le premier truc en apprenti, c'est les attaques spéciales. Ok, donc c'est attaque spéciale ici. Augmente fortement les choses quand on en backstab, donc quand on prend en tenaille. Donc ça, c'est le swap position, très bien. Ah, l'attaque en mêlée, le niveau d'attaque en mêlée augmente le niveau d'attaque à distance et vice-versa. A Kingdom with Run, ça c'est pas mal. Ok, très bien. Un gros qui coupe, c'est exactement ça. J'ai un pieu, je peux taper sur les vampires, exactement. Alors après, en fait, c'est une dague. Et on pourrait te mettre une dague en... Voilà, si je suis pas... On peut te mettre ça, Pascal. Alors là, le truc qui pourrait être bien, c'est ce qu'ils ont des... Non, ils ont rien ici. C'est fou, ça. Hein, j'irais bien explorer ça, moi. Juste pour voir. Il y a deux clampins dessus. Une forteresse. Ok. On va laisser gentiment s'avancer. Yes, master. Il va nous mettre un coup, même pas. Ouch! Et bah voilà, on va aller quand même visiter ça. Hein. Parce qu'au final, je passe peut-être à côté de choses intéressantes. Oh, c'est un donjon. Très bien. Ça va, c'est pas trop vilain. Je vais juste attendre que ça disparaisse pour pas perdre des points de vie en me déplaçant dessus. Mais ça se bat quand, t'inquiète pas. Je suis plus un bourreau qu'un bûcheron. Exactement.
Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est que là on va reculer, là on va reculer, là on va reculer. On recule. On va laisser s'avancer gentiment. Là, on va pouvoir les attraper. On va laisser open ça. Ok, on a tout exploré. Allons à l'étage. C'est vrai, je lance pas beaucoup de sorts. Faudrait peut-être que j'en lance plus quand même. Oh, sincèrement, ça. Victory, mange du lit. Ça, c'est bon. Oh, oui! Je peux recruter plus. Je peux recruter plus. Ah, c'est bon, ça. Ah, putain, vache, on peut en recruter plein. Hein. Ok. Ok, 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 cool, 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 cool. On a fait de belles progressions là dans notre puissance divine. Allez, on rentre au bercail. Exit dungeon. Nice. On va se faire les autres pour pouvoir faire les pour pouvoir sortir. Ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, vache, ça va vite. Non, il fait pas demi-tour, hein, même quand on lui demande. Rip le petit gobo. Exactement, rip le petit gobo. Le panda dragon qui vient de décéder. Ok, des essences, très bien. Donc les puits, ça sert pour les essences. On va aller recruter un petit coup. Ça, on pourrait se faire, je pense. Genre sans se poser 10 000 questions, quoi. Oh, il a laissé tomber son armure. Putain. Oh, mon Dieu. Allez, on soigne. Oh, yes, un petit seul qui nous rejoint spontanément. Niveau 5, max encombrance, ça me paraît bien. Heavy armor, ça c'est cool aussi. Mêlée défense. Le swap, me plaît bien. Et on va... 32, tu peux même pas porter ça, malheureusement. Ah, merde! Heavy armor ou heavy boots. Donc j'ai pas pris la bonne. Oh non. Je peux pas le... Le remercier. C'est dommage.
Ok, et ça nous renforce dans la voie du sadisme. Très bien, ça me plaît ça. Vas-y, fais voir un peu ce qu'on a ici. On a un banker, il est bête. Alors, pas de magie, et il parlera pas. Oh, mais par contre, il est capable de parler. Par contre, il a une grande bouche. Banker Armor level 5. C'est fort ça. Speed, Agility, Magic, Trade of All Jack. Il nous coûte combien? 1400. Il frappe à 27, 25. Ouais, on paye l'item, je suppose. Parce que ça fait cher là. On a un exécutionneur. J'aime beaucoup. Ne serait-ce que pour donner la. Voir si on pourrait pas peut-être échanger la hache, voir si la hache est meilleure ou pas. Un garde, ça me plaît bien. Bonus to shield skill. Oh! Lance 34, en plus il porte bien. Picky hitter. Et il est lazy. Je vais bien le, je vais le prendre celui-là, il me plaît beaucoup. On a un Spearman qu'on va prendre. Et je pense qu'on va se prendre l'exécution. Fais voir le Joker, qu'est-ce qu'il fait lui? Random bonus at the start of each fac. Ouais. Prends le banquier, on le pend! Coquettiche, un peu chiant ça. Monomaniax. Non, Monomaniax, j'aimerais bien lui apprendre des compétences, mais il va pas vouloir. On va prendre le Joker. Yes! Allez, on va faire nos passages de niveau gentiment. Gobala the Guard. Il a un bonus avec les shields en plus. J'ai envie de prendre les deux. Mets les scores pour toucher de temps en temps, c'est quand même cool. Shield, parfait. Voilà. Putain, 6, je remplis. Hein. 6, je remplis. Ouais, c'est pas grave si on dépasse un peu le point. On dépasse de 2 points, c'est quasiment. Ah, mais non, attends, non, on peut pas dépasser 2 points, il nous faut une arme. Il nous faut une arme. Et lui, c'est la lance. On n'a pas de lance. Est-ce qu'on. Le Spearman a sa lance. Prilcop, on va t'enlever ta lance. On va te mettre à la fourche. C'était pas le meilleur de tous, Prilcop, malheureusement. Et boum, on te met une lance. La fourche, ouais, mais je voulais pas lui mettre la fourche. Attends, par contre, ça, je veux bien voir. 16-34. Ouais, ok, ça rigole 0. On te laisse ton arme. Le Spearman. C'est bienvenu, Sina. Parfait, exactement. Le Spearman qui peut frapper depuis l'arrière, hein, mais les scores. Light Armor, ça fonctionne. Max Health, allez. On pourrait lui mettre un shield éventuellement, autrement on essaie de lui bourrer l'armure légère. 14-14-9. Le Spearman se défend quand même plutôt pas trop mal. C'est qui qu'on a perdu déjà au combat? Le panda dragon. Ça va être notre garde. Non, notre garde, c'est Ouref. Parce que Ouref, il mérite. Et celui, le Joker, ça va être Chobiti. Qui fouette les gens de loin. Ça me paraît cool. Touche un peu plus souvent. Alors, on va prendre le sadisme. Chobiti en sadique, il paraît que c'est roleplay. Et ça touche plutôt bien. Alors, pas d'armure spécialement. Donc, on va lui mettre un truc de relativement standard. Club, ça sert à rien. Sword, ça sert à rien. L'endurance par deux, c'est très bien. Des jolies chaussures, des fancy shoes. Ça augmente le dodge, on s'en fout un peu. Et il nous reste un peu de poids. On va augmenter la light armor plus 5. Allez, soyons fous. Et on est pile poil.
Je pense que je porte malheur aux gommes, tu crois? On va voir ça, le panda dragon. On a des équipements qui sont plutôt ok. Là, la double spécialité me plaît quand même moyen. C'est pris le cop ou bon. Ils nous ont tout teach. On a trop de poids. C'est quoi ça? Alors, on va. Azurheim, j'aimerais bien qu'il survive. Perception, ça prévoit avoir le coup sur Miss L. Les points d'essence, ça va être sur Prilcop pour qu'il puisse taunt et faire peur à tout le monde. Je vais vendre des boots parce que j'en ai vraiment beaucoup des boots. Alors attends, déjà tout ce qui est en bois, ça dégage. Ça c'est pas cool, ça c'est pas cool, ça c'est pas cool. La dague, on a mieux. On vire, ça. On a déjà récupéré un peu de poids. Franchement, on a le gros. Y a beaucoup d'armure lourde. 25, 19. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un shield à quelqu'un d'autre? Le panda dragon, t'as ton shield. Et Prilcop, t'as ton shield. Permettra de survivre un peu plus longtemps. Ok, on a re de la place. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et il va falloir qu'on termine les missions qu'on a commencées là quand même. Il faudrait qu'on fasse ce genre de choses aussi. On va faire ça. Bon. Malheureusement, on n'aura pas changé d'endroit. I'm so hungry. Allez, on se repose. Donc là, ça pionce. Et je sais que ça va vous frustrer, mais on va s'arrêter là parce que moi je vais bientôt aller au cinéma ce soir. Je vais voir Deadpool. Donc ça va être cool. J'espère que ça vous a bien plu. Je vais mettre l'outro des jeux du cygne. Et je vais vous envoyer chez Bigadin. Donc pensez à rester le temps de l'outro. Je vais lancer le raid. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures, bien sûr. Bien sûr. Suivi Bigadin. Et on va faire ça, on va lancer le raid. Vous pensez à lui dire bonjour, hein, soyez poli s'il vous plaît. Et bye bye tout le monde.